Que celui qui n'a jamais utilisé Wikipédia dans ses travaux lève la main. Nous avons tous un jour utilisé Wikipédia pour vérifier rapidement une information, pour débuter une recherche ou faire un travail. Un article publié dans l'Obs en 2017 faisait mention d'une enquête qui affirmait que 87% des professeurs américains consultaient Wikipédia. Personnellement, il m'arrive aussi d'aller très régulièrement sur cette plateforme pour préparer des exposés ou des leçons. S'il n'est pas forcément mauvais d'aller sur Wikipédia, il est très important de ne pas le faire n'importe comment. Déjà, peu de professeurs acceptent qu'une bibliographie soit composée exclusivement d'articles tirés de Wikipédia. Quand les professeurs voient dans votre bibliographie que vous avez utilisé Wikipédia, ils ont parfois un a priori négatif sur la qualité de votre travail. D'ailleurs, les bibliographies d'articles ou d'ouvrages scientifiques renvoient très 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 rarement à Wikipédia. Et je dis très 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 rarement parce que j'ai pas vérifié s'il y en avait ou pas, mais j'en vois quasi jamais. Alors, disons-le tout de suite, dire que Wikipédia n'est pas un outil fiable serait une contre-vérité. Wikipédia n'est pas forcément moins fiable qu'une autre source encyclopédique. Plusieurs études, dont certaines ont été publiées dans la célèbre revue scientifique Nature, nous disent que Wikipédia est parfois plus fiable dans certains cas que les encyclopédies classiques. Cependant, il faut bien avoir en tête que Wikipédia offre des contenus de qualité très inégale et qu'à côté d'articles très sérieux, pertinents et précis, vous aurez des articles de moins bonne qualité. Il y aura en effet des articles dans lesquels les trolls auront été actifs et auront truffé l'article d'imprécisions, d'erreurs ou de contre-vérités. De plus, dans certains domaines, la documentation sera beaucoup moins importante et vous trouverez beaucoup moins d'informations dans certains champs de la connaissance. Les auteurs sont principalement bénévoles et donc vont écrire généralement sur ce qui les intéresse eux, sans se préoccuper de couvrir l'ensemble des connaissances produites par les collectivités humaines. Il y aura même aussi une différence de qualité entre les différentes versions de l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'entre la version anglaise par exemple et la version française, vous pouvez vraiment avoir une grande différence qualitative, parce que en fait les auteurs vont être différents. Et l'article en langue française n'est pas une traduction de l'article en langue anglaise qui traite le même sujet. Alors, comment faire pour tirer profit de cet outil? Car il est d'une grande facilité d'utilisation et surtout très accessible, étant donné qu'il est déjà gratuit. Mais comment faire cela sans se faire avoir? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur les caractéristiques de Wikipédia. Vous le savez, le contenu de Wikipédia est issu d'une collaboration online entre différents auteurs. Wikipédia demande à ce que les auteurs précisent leurs sources, et ces mêmes auteurs peuvent également débattre entre eux si un désaccord survient dans la rédaction d'un article. En conséquence, tout article de l'encyclopédie comporte une bibliographie dans laquelle on retrouve l'ensemble des sources utilisées par les auteurs de l'article, mais aussi deux onglets, un onglet historique et un onglet discussion, qui vont reprendre à la fois les modifications qui ont été portées au fil du temps sur l'article consulté, mais aussi les échanges qu'il y a eu entre les différents auteurs. Et donc là, les désaccords peuvent éventuellement apparaître. Donc, dans le cas où l'information vous intéresse, il vous suffit d'aller voir au bas de l'écran, tout en bas dans la rubrique bibliographie, pour consulter la source qui est à l'origine de l'information. Et s'il se trouve que cette source est intéressante et que finalement l'information est très pertinente pour votre recherche ou votre travail, ben, vous abandonnerez l'article Wikipédia pour reprendre cette source primaire dans votre travail et la mentionner à ce moment-là vous-même dans votre bibliographie à vous. Hein, vous serez passé par Wikipédia, mais vous aurez juste fait un passage sur cette plateforme, puisqu'au final, vous atterrissez sur une autre source ou un autre site qui est à l'origine de l'information, finalement, qui avait été repris par l'auteur lors de la rédaction de l'article. Dans le même ordre d'idées, si vous constatez qu'une information est vraiment très pertinente, mais qu'elle vous semble quand même un peu louche, vous pouvez aller voir l'historique et le fil de la discussion pour savoir s'il y a eu des échanges au niveau de cette information. Est-ce qu'il y a eu des désaccords? Est-ce qu'il y a une polémique? Ou alors est-ce qu'il y a un relatif consensus au sein des rédacteurs Wikipédia? Toutefois, et c'est là qu'est la limite de Wikipédia, il vous ne sera pas possible de faire une critique de chaque article de Wikipédia.
car les auteurs rédigent leurs articles sous des pseudonymes. Devinez qui je suis. Hein, derrière ce pseudonyme, finalement, on ne sait pas qui se cache. Et donc, c'est très compliqué, finalement, de porter un jugement sur l'information qui a été référencée dans Wikipédia. Et c'est pour ça que vous allez aller sur la source. Même si vous pensez qu'une info est pertinente et fiable, vous ne pouvez pas vous arrêter à Wikipédia. Vous devez aller plus loin. Autrement dit, Wikipédia vous sera très très utile au début de votre recherche, surtout si vous ne connaissez rien à votre objet d'étude. Consulter Wikipédia est un bon réflexe à ce stade, au début de la recherche. L'encyclopédie vous permet de faire rapidement le tour d'une question ou d'un objet, puisque l'article est une synthèse de différents auteurs qui ont eux-mêmes résumé et synthétisé différentes sources. Il s'agit d'une synthèse de ce qu'on appelle l'état de l'art. L'état de l'art, c'est le mot pour dire l'ensemble des connaissances qui ont été formulées par rapport à un objet. Mais n'oubliez pas que la qualité de cette synthèse peut varier et peut aussi comporter un certain nombre de biais. Cependant, grâce aux astuces qui ont été dites dans cette vidéo, vous serez armé pour dépasser cette première source et enrichir votre recherche. Wikipédia n'est donc pas une fin en soi, mais un formidable tremplin pour booster votre exploration. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à la pratique des sciences sociales. Mais Wikipédia, c'est mal!